Salut, c'est Maillard. Nous avons désormais accès au nouveau serveur de playtest de Dead by Daylight, notamment la vision sur le prochain chapitre et ses nouveautés, notamment la nouvelle survivante, le nouveau tueur et la nouvelle map. Cette vidéo va se consacrer donc à la nouvelle survivante qui est plutôt sympa, même si de mon avis hein, personnel hein, son apparence est plutôt randomisée hein, j'ai une petite affection pour Jane hein, je dois l'avouer. En revanche, son histoire ainsi que ses perks apportent un plus, même si traditionnellement derrière nous avons deux paires qui sont un peu au-dessus du troisième, hein, avec le troisième qui devient vite accessoire. Mais il y en a une ou deux qui sont plutôt cocasses. Donc, nous avons Zarina Kassir, un multiculturel d'origine libanaise, épris de sentiments de justice, qui a ses trois compétences. Nous avons la compétence leurre. La compétence leurre, qui est celle qui ressemble au poisson, et qui permet de pouvoir tout simplement attirer l'attention du tueur sur un moteur. Quoi consiste-t-il ? Eh bien, si vous réparez un moteur, la perque s'active au bout de quelques secondes, et en vous éloignant sans avoir fini de réparer ce moteur, en vous éloignant, donc, si vous arrivez dans un placard ou si vous finissez de réparer un autre moteur, tout simplement, il y a un signal qui est donné au tueur, comme si vous loupiez un QTE sur ce moteur-là que vous avez marqué et dont vous voyez l'aura quand vous vous éloignez. Donc ça, c'est le leurre. Ça peut être intéressant de combiner avec la perque du caillou, hein, de l'inspecteur Tap, notamment, je crois. Et même si la compétence du caillou, du lancer de caillou, elle, est un peu plus difficile hein, à activer, parce qu'il faut rester 45 secondes dans l'aura de terreur du tueur, nous avons maintenant une deuxième perque, qui est la perque confidentielle de Zarina. Cette perque, tout simplement, permet de ne pas laisser trop de traces lorsque vous êtes décroché. Vous vous décrochez tout seul ou qu'on vous décroche, vous ne laissez pas d'empreintes de sang ou vous ne faites pas de grognement. Eh bien, en ce qui concerne les éraflures, ça reste à voir et ça dure une soixantaine de secondes. Donc, ça peut être intéressant, mais de mon avis, c'est un peu encore accessoire. Et enfin, la troisième perque qui rendra nostalgique ceux qui ont connu l'époque, on pouvait utiliser l'insta-heal immédiatement, insta-heal avant que ça devienne un insta-heal de 8 secondes ou de 8 jours. Eh bien, cette compétence de soin permet de faire relever, ça s'appelle pour le peuple, hein, ça permet de faire relever littéralement des personnages. Ça fait passer d'un statut de blessure à un autre. Hein, si vous êtes en état critique, hein, vous passez à un état de blessure et de blessure à soigner. Et c'est pas inintéressant parce que ça peut renverser le game. En revanche, si vous utilisez ça sur un survivant, vous pouvez pas le faire sur vous-même, eh bien, ça vous mais en statut brisé, ça veut dire que vous êtes non seulement blessé, mais pendant une centaine de secondes, vous ne pouvez pas être soigné. Donc voilà, c'est très intéressant à voir en pratique. Je vous laisse observer les épisodes avec Zarina désormais. Alors, c'est parti, mon... Ouais, salut. Nouveau personnage avec nouvelle perk. Dans la nouvelle map. Nouvelle map qui a cette particularité de pouvoir détruire certaines parties. Donc ça c'est intéressant. On va espérer qu'il nous laisse le temps de réparer le moteur. Enfin, qu'on fasse une map. Un Myers ici serait très gros. Hein. Pas mal. La 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 la. Ah je la trouve. C'est marrant, je la trouve un peu randomisée de dos. Là par exemple je peux teaser l'heure. Autrement que comme ça, évidemment. Ouais. Ils se sont plantés. Attention cactus. Non, c'est faux. Non, il y a rien les cactus. Les cactus ne piquent pas. Les cactus ne font rien du tout. La map est vraiment belle. Pour l'instant, le moteur. De retoucher. Un tueur cactus. Ah, lui, il a été preneur.
Ça dépend de ce que tu... Attends. Les boîtes à outils ont changé sans un S dans la manche. Quand tu parlais... Oh. C'est vrai. C'est pour ça qu'avec un mise à jour, quand je mettais les accessoires sur une clé et que je sortais quand même, eh ben les accessoires de la clé, je les perdais. J'aime tout cette mise à jour. T'aimes tout? Oh là là, mais non. Mais non, tu perds les accessoires même sans les avoir dépensés. Salut Staz. Il va venir directement là. J'étais trop proche. Quoi tu... Hein non, non. Quoi tu... Quand... C'est joli, c'est jojo. Ouais tu... Il y en a qui ont déjà... Incroyable. Mais comment on... Ça y est, on arrive. La colline a des yeux pour de vrai en fait. Incroyable. Vous avez déjà... Il y en a qui ont déjà les bails quoi. Ouais, en attendant, pendant qu'il y a trois guignols qui font les malins sur un... sur un rocher. Trois guignols et un rocher, un film de Night Shyamalan. Ah salut. Ça va hein? Ouais hein. Génération 3. Report, ban, ban, report, report. Viens, viens, ving, viens. On va être chanté Ouais viens, ouais, on a où là? Oh ça va, tranquille. Quoi? Tu veux juste me montrer, tu veux juste me montrer des bugs? Sérieux, tu veux juste me montrer ça? Tu sais qu'on doit vivre quand même. Ayana sana mala seyon ayon. Très bien. Tu sais qu'on n'a pas réparé de moteur pour l'instant. Et qu'à venir ici qu'on aurait pu finir le moteur. Mec en fait non. Salut Sorus. Merci pour les 14 mois de chaussettes triées. Merci beaucoup. Hein. 14 mois de plaisir de faire West face à un cowboy. Oh là, calme-toi là. T'as vu comment on fait ou pas? La veste couleur bois. Je veux la même veste pour Ace, mais la même, c'est-à-dire celle de cette meuf pour Ace, genre avec les épaules trop larges et tout. On rentre le truc qui lui moule. La gaufre. Hein? La 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 la. Raté mon gars, hein. Mon poteau. Oh oh. Thank you.
Non, 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 non. Ah, la prochaine fois tu vas même plus dans le quartier, ok. La 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 la. Suture moi, s'il te plaît. Suture dans les cactus, un film de Night Shyamalan. Merci. Attends, on va peut-être l'aider, non? Allez, beau les gars. Attends, attends. Viens, viens, viens. Vas-y. Je vous protège toutes. Vas-y. Ok. C'est parti. Mon. Bien, parfait, parfait, bien. La map de Myers avec la nouvelle survivante. Y'a pas quoi. Mais y'a pas de. Hein? Le moteur ici? Quoi? Hein? Où? Dessus, les pièges du trappeur ne donnent plus accès sur les grandes possibilités de les saboter. Quoi? Les pièges peuvent maintenant être résignalisés sans les ramasser. Les pièges ne peuvent plus être. Oh là là. Le personnage principal du jeu, donc le piégeur. En même temps que Ace. Va être. Les deux sont un peu valorisés. Enfin, Ace n'a pas besoin d'être valorisé, c'est le personnage principal de l'histoire. Donc. Pas besoin de, on n'a pas besoin de dire oh l'univers c'est l'univers, parce que c'est l'univers, donc c'est pareil pour Ace. Wow, 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 mon gars, mon gars, mon gars, mon gars. On a dit qu'on a proscrit le mot karma de la chaîne. On l'a remplacé par le mot raclette. D'accord? Donc le c'est là, le karma. Non, c'est la raclette. Donc bon, hein? Respectez-vous un peu. Attaquez la syntaxe de la chaîne, quoi. Oh, je vais faire un truc dégueulasse. C'est quoi? Juste pour. C'est un peu ça que. Juste pour essayer. C'est pour essayer là, hein? Bon. C'est pour essayer le... la capacité spéciale. Faut que j'aille dans un placard et ça donne un signal au tueur sur le moteur. Que, hein, bon. Sur ce moteur-là. Pour la science. On appelle un leurre. Mmh. Donc. Allez, j'ai pas de. Hein? Si, quand même. Miracle sur le tueur et t'envoie une. Bah ouais, bien sûr, évidemment. Bah pour l'instant, c'est rentable. Hein.
2 accrochets, 3 moteurs, ninja mayonnaise. Merci pour ton flow. Alors, par contre, le chili barbecue va rester le... la méta. La méta du jeu, quoi. Méta chemise. Si tu veux pas qu'elle glisse. C'est bon. Et la phrase entre. Salut Capé. Méta lumière, très bien. Personne qui va là. Ça va pas du tout. Quelqu'un pour la sauver les gars là. Non, méta chemise, tu veux pas qu'il glisse. Donc laisse tomber. Ne laisse pas tomber ton fils. Voilà. Laissez tomber la chemise. Non, mais non, fais pas ça! Mais non! Fais pas ça! Non! Non! Fais pas ça! Mais non! Si je meurs sur cette action, mon gars, je te bute. Non. Nul. Ouais, yes. T'es double sauvé, quoi. T'en as une qui manque tellement. Ouais. Steve. La 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 boulangerie. Yes. C'est parti, mon. Dis donc, ouais, pareil. Pas tant. Ouais, noté ou pas? À tous les coups. Ouais, bah ouais. Merci. Attends. Mais c'est... Ouais, non, rien. Genre, ça aurait été trop drôle qu'elle reprenne la caisse à outils, qu'elle s'en aille. Genre... Bonjour, toc toc, c'est qui? La soumission. Oui, mais... Tu sais, avec la voix de... Oh, on va le faire un peu de musique. Hein. C'est moi, oui, il fait chaud d'un seul coup. Mmh.
une vraie chaudière. Ace. Oh, quel... Ouais, il est occupé avec quelqu'un d'autre. Oh oh. Ouais. Scheiße, hein, on est d'accord. Hein. Si on devait donner la note de Scheiße sur 10, moi je dirais vive off. Hein. À découvert. Oh là. Oh, chacun son tour. Salut ça. Ouh ta la 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 la. Mais mec, t'es vraiment en train de... Hein, t'es vraiment en train de tunnel. Mec, t'es vraiment en train de faire ça, hein. Incroyable. Tu le classes comment comparé aux autres? Je dirais pas assez nu. En revanche... Non, je le trouve cool. Vraiment, il vient dans mon top 5. Salut mon poteau. C'est le tunnel, tu te souviens? Incroyable. 3 décrochages, 3 tunnels. Non, ça va, Lego? Ah, on va tellement rigoler avec avec le cachage de buisson. Oh, incroyable. Mec, il tunnel le fou. Hein. Merci Néline. Merci beaucoup Néline. 27 mois de chaussetterier. Formidable, incroyable. Mais non, mais c'est trop fort. Mais quoi? Mais moi, quand je serai grand, je sais pas, je veux être un buisson, quoi. C'est pas vrai, mais le ninja, incroyable. Incroyable. Allez, gogo. Enfin, gogo, gogo, c'est une expression, hein. Qui veut dire bif-bof. Hein. Sinon ça va. Ah.
J'espère que vous l'avez clippé. Hein. J'espère que vous l'avez grave clippé. Ah, on est. Oh, je fais comment maintenant dans les yeux hein. Non, fais pas ça, non. Il va mourir de l'essai. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il... Ouais, il tunnel, quoi. Oh là, oh mais non. Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable? Hein? T'es en train de suivre l'autre. J'ai fait ma game, hein. J'ai fait toute ma game dans cette partie, hein. J'ai fait tout. Hein. Normalement, il y a un totem pas loin. Hein. Allez, arrêtez. S'il vous plaît, je veux arrêter de gémir, on n'est pas le mercredi soir. Allez. Bonne soirée. Ok, il y a un totem là. Oh. Incroyable. Incroyable. On peut... C'est moi qui ai un totem, mon dieu. Quoi, les totems se cachent aussi pour mourir là. Il se passe quoi là? Pas vu un totem. Pas un seul. Incroyable. Allez, soigne-moi. Je suis le personnage perci. Je suis le pers. Soigne-moi, je suis le personnage principal de. Il vient. Tellement direct. Il vient tellement direct là. Oh, il vient tellement direct. Franchement. La game qui fait grave transpirer. Ah, il en a trouvé les autres. Non, mec! Pas à ton âge, quoi. Pas le tunnel. Il en suit un. C'est ça, hein. Ouais, il continue de les suivre là-bas. C'est tellement tendu du bulbe. Mon gars. Il va vers.
J'ai mis beaucoup trop pour mon âge là. Incroyable. Vraiment, quelqu'un de détresse, hein. Allez, nom de Dieu. J'ai pas de totem. Bon, ok. Il se log. Attention, il faut faire ça en même temps. Ok. Si je trouve la trappe, je me... main de V, hein. Incroyable. Ah, ça va être chaud là, je suis blessé de partout. Aucune chance de trouver la trappe. Hein. Peut-être un ou deux buissons, mais... mais au max, quoi. Oh, il est à droite. Je pense tout droit. Abonne-toi.